Salut à tous, donc on se retrouve pour un nouvel épisode d'Horizon Zero Dawn. Donc on va être parti pour faire la suite de la campagne. Et ouais. Donc bah c'est parti. On se retrouve là-bas et puis on voit ce qu'on a à faire, hein? À tout de suite. Merci pour la donnée. C'est pas ce que j'imaginais quand j'ai découvert la forêt. Alors, nous vous rappelons. On avait appris qu'il allait y avoir une petite histoire de complot par rapport à la brûlée dans Méridian. Donc on doit faire le rapport au roi. Il faut se méfier des marchands aussi, Rav. Donc on y va de Envoyer suite. quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On verra tout ça plus tard. Aloy, heureux de te voir. Oui. C'est bien triste pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval, mais pour Elund le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océras m'ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant, pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question. Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa, ce que je comprends très bien. Mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert? Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça. C'est vrai. Ma douleur me hante. Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Ça me démangeait de le dire, hein? On a très bien compris que vous n'êtes pas que s'amuser au lit, hein? Vous aurez aimé bien plus, hein, tous les deux. Bon, bref. Allons s'occuper de cette histoire de flambée, hein? Ah! C'est ici! T'es là, Derval? J'ai une surprise pour toi! Non, mais là, c'est... Au moins, je voulais une surprise pour nous. C'est une bombe? C'est une bombe. Pas bien grosse. Et bien conçue. Assez pour nous tuer. Ok. Je me tais. T'as raison. Un point de terre. La flambée. Il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage. Est-ce qu'on sera arrivé à temps? Ok, rien de plus. Ça fait beaucoup de flambées. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit absolument empêcher ça. Comment empêcher? Examiner. Pas très résistant. Oh, bah ça a lâché. Ouais, une idée me vint.
voyez, avec beaucoup d'élan, on peut faire en sorte que ça tombe dans la vallée. Et allez, c'est parti. Enfin, je suis pas sûr qu'on appelle beaucoup d'élan, ça. Ok, tout en force, je sais faire. Ça fera quoi ? Ça fera beau. La ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et on va survivre ? Je pense pas. On pousse. Au revoir. On est sorti. Wouhou. On l'a fait. Le plan de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Ouais. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Ouais, mais le fait que vous êtes pas au palais, à mon avis, c'est lié à ça. Il va être là-bas. Des empreintes de pas. Là. Avec de la flambée. Bon, bah, vous savez ce qu'il veut dire. On suit. Bon, vous êtes un peu à la bourre, les gars. Discutons un peu. Allez, une discussion colorée. Hey, mais attends, on est déjà allé ici. Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval. Donc il est copain avec celui-là qu'on a... On a retrouvé son épée. À l'intérieur, c'est vaste, quoi. Il y a un escalier de ce côté-là. Lol. Et ça vous amuse de faire un... un veilleur? Bon, retournons au premier sujet. Va bien avoir un truc. Ah bah je suis bête. Voilà. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? C'est moi. Derval a fabriqué le détonateur. Oh non, il a détruit le mur. Oui bah ça on l'a bien vu. T'as pas besoin de le signaler. Ça veut dire qu'il a pris la fuite. Oh. Regarde-les, des cochons. Derval. Une flèche dans le bidou, voilà ce qu'il mérite. Surtout avec ses capuchons d'oreilles. Alors. On nous dit de sauter! Alors, je crois que j'ai loupé un épisode. Non, c'était là-haut qu'il faut aller. Ok. Plus bas, d'accord. Fallait savoir. Ça va pas dans un sens, ça voudra dans un autre. C'est ce qu'il faut se dire. Ta-da-tam, ta-da-dam, ta-dam, tam-tam-tam. Youpi! Ce qu'on appelle une échelle. Y aller. C'est qui eux? Méchant, méchant. J'aimerais bien être là-bas pour voir le dieu soleil à genoux. Arrête de râler, imbécile. T'as mouru. Oh, pas tant pu parler. Ouh, mais c'est très fort sympathique tout ça.
Parfait, il me fallait en plus que je récupère de quoi me nourrir. En cas de blessure. Des bons champax. C'est reconnu, les champignons, c'est la vie. Alors, hep. Qui a dit qu'en ville, on trouvait pas des éléments? Tac, 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 tac. Je suis pas là, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. D'accord, ça donne accès ici. Mais nous sommes au palais. Oh, ils ont déjà commencé le carnage. T'as déjà mis tes bouchons d'oreilles. Ah, mon cher Avad. Le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père. Alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karja. Mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais des adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée. Et étouffe-toi des cendres. Ouais. Et je crois que ton détonateur, il bug. Ça ne marche pas. Chat. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Messa. Non, ça devait être un incendie. Pas une flamèche de feu de cheminée. Bon. Salut tout le monde. Désolé. Ah, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu fais? T'as bugué? Ah d'accord. Je crois que ce sera utile. Bon, vous vous êtes réveillé? Non? Bon, on va aller chercher. Coucou! Qu'est-ce que c'est? Mon copain! Oh. C'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non? Et neutralisé ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bombe ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien, d'abord, puis celui d'Avad. Mon trône? Quel trône? Qu'est-ce que c'est que ton machin? T'entends, tu sais? Ouais, je crois. J'ai dirigé une armée. Oh, pfff. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mais je t'apprends à voler dès qu'il... On peut se dépêcher, j'ai un dieu soleil à tuer. Merci. Pourquoi Avad envoie toujours des dames? Parce qu'il kiffe la jante féminine. Ah mais... T'as pas fini de tricher? J'ai dirigé une armée. Des blusards et des ravageurs, alors une vulgaire sauvage. Ah, il y a une portée dans ton machin. T'as pas pensé à faire un long de portée, nono? Tu lui sens les flèches pour qu'il pique? J'ai un dieu soleil à tuer. C'est pas encore terminé. Bah alors, on est au sol. Un artisan au céram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Ah ouais? Alors attends, qu'est-ce que ça va être? Oh, des étincelles, c'est ça? Il appelle des étincelles. Il a dompté des étincelles? What? Non, il les a modifiées. Bon, on emploie la manière forte. Alors, ça va que j'ai pris le lance-câble. Je le sentais bien, cette affaire. Les choses à votre place. Bah parce que je suis tellement idiot que j'arrive à les mâcher et à mâcher les machines. Bon alors. Couchez, sale bête. Alors, ça fait quoi d'avoir ça? Allez, fais dodo. Suivante. T'es où? Ah, ça c'est de la glace. Ah.
Vas-y, tombe. Une bonne machine est une machine au sol. Ah, les majestueux, les redoutables étincelles. Les redoutables quoi? Moi, je jurais qu'ils sont morts, tes étincelles. Belle trouvaille. Oh, t'as d'autres copines qui sont arrivées? Et reviens! Ça tient pas. Allez! Attends avant que tu tombes, toi, hop, je suis récupéré. Faire attention à la vie. Voilà. Alors attends, on va changer de côté. J'espère que t'aimes te battre contre les machines, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ok, vas-y, je suis dans les airs. Ah, la manette qui a du mal. C'est pour ça qu'à des moments ça répond pas. Hop, suivant. Quoi, t'es trop loin? Non mais faut pas abuser non plus quoi. Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place? Oh. Hop, je neutralisais deux. T'inquiète, elle a pas le temps de décoller ta machine. Parler à Derval qui est sous le tas de gravats. Ça va, tu vis bien, Derval, là? J'aurais tellement préféré qu'Ersa soit là pour t'abattre. Mais je vais le faire, pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Eren, tu vas échouer. Non, il va pas échouer. Parce qu'il ne va pas le tuer. Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à prime source. Tous les clans de la Requête veulent ta peau. Oh oui. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de tuer. Silence. C'est le roi Soleil qui décidera de ton sort. Compris, misérable. Tu es assommé. Alors j'adore leur marteau biche en même temps, hein. Comme ça, s'il y a besoin, attends, démonte une machine au passage. Oh, il fait dodo. Alors, on a plusieurs personnes. Avad, Eren... Facultatif, il doit être en 3. On va aller voir les Tintins là-bas, déjà pour commencer. Eren, il est en 2. Et moi, je veux voir le conseiller qui est où, qui est par là. Ah non, Derval. On va les causer un peu avec... Alors, mon gros, ça fait quoi d'être en cage? Hmm.
largué. Eh ben, ça marche pas. Ça marche pas, t'es sûr? Ouais. Qu'est-ce qu'on rigole? C'est ça. Tu crois que ce bout de ferraille sur ton oreille te rend intelligent? Je suis sûr que t'aurais pas pu désamorcer ma bombe sans ce truc. Possible. Tu rêves. Je me suis sorti de pire situation. Pendant que ces abrutis de prime source se chamailleront sur la façon de me tuer, je me ferai la belle. Tu verras. Quand je me serai sorti de là, j'irai poser un appât. Vas-y, je veux voir ça. Ça fait mal de me faire repérer par un sauvage. Les Nora, dès qu'il y a plus de deux bâtons et un bout de ficelle, ils sont perdus. C'est faux. T'as rien de mieux à faire? Faire embrocher par une corde filante, par exemple? Je crois avec ta petite lance améliorée. Mais moi, je pourrais fabriquer la même, les yeux bandés et en dormant. T'as d'autres punchlines à balancer? Bah encore, je peux même faire en sorte que la machine vienne te bouffer, hein. À ce qui paraît, ça serait aussi une très bonne option, je pense. Pour que tu l'écrases un peu. Comme un caillou dans une botte. Complètement insupportable. Ah, au moins je lui casse les pieds, c'est le but. Je te hais d'une force. Ah, tout à fait. Je vais construire une machine destinée à t'arracher tes tresses à la noix. Tu permets, Gigue de Tresse. Non. Ah bah ça y est, on peut plus. Voilà, on a bien argué. À l'œil. J'étais en train de penser à Ersa. Elle aurait abattu Derval. Je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir, pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais je fais de mon mieux. Et grandir, je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies, non? C'est à moi que tu demandes. T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec... Non. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Tu me montres à l'exemple. Tu vas me faire pleurer. Et après tout ça, quel va être le programme d'Eren de l'avant-garde? Je vais rentrer à la requête pour un temps, puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vraies funérailles. Bien à son image. Moins de discours. Plus d'alcool. Ouais! Non, je ne suis pas alcoolique. À peine. Pour vous dire, le cadeau de ma grande sœur, c'était un carton rempli de bière. Pour Noël. Non, je suis pas alcoolique, je vois pas de quoi vous parler. À ton avis, qu'est-ce que les Océram vont faire à Derval? Déjà, ils vont se disputer pendant un moment. Et quand ils auront décidé, il souffrira. Je vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, ça se pourrait que je passe le voir dans sa cellule pour lui rappeler ce qui l'attend. T'inquiète, je m'en suis déjà chargé, je vais casser les bonbons. Bon. Je sais, faut que t'y ailles. Des tueurs à traquer, des machines à dompter et au pas de course. Tu sais quoi? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier. Pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux? Elle m'aime bien. Oh, c'est vrai qu'il est sympa, il est rigolo quand même. Pochetron! Oh, pas de quoi vous parler. Elle, notre fameux roi soleil, on n'a rien d'autre à scanner par là, non? Non. Hey! Avad. Aloy, dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Méridian.
Et grâce à toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil, sans cette horrible incertitude. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridian. Est-ce que Ersa et vous... Enfin... Tout le monde voit bien que j'ai des sentiments... Ou avait des sentiments. Elle ne me donnait pas que des conseils. Elle me donnait de la force. Mais nous étions maudits. Les relations entre les Karja et les Océram à Méridian étaient trop compliquées. Mais non! L'union d'un roi soleil et d'une guerrière Océram aurait inévitablement provoqué une rébellion en ville. Mais non! Et sans aucun doute une guerre de clans. Est-ce que quelqu'un savait? Quelqu'un, oui. Derval. Il aimait Ersa, mais elle l'avait rejeté. Et toute cette jalousie est devenue un motif supplémentaire à sa haine. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de Derval? Pour l'instant, il croupit dans l'un des anciens cachots sous la fosse, ici à Méridian. Quant à ce qu'il attend quand nous aurons négocié son extradition à Primesource, je ne veux pas y penser. Ah, donc j'ai bien fait de me moquer de lui. Mon père avait beaucoup d'imagination en matière de torture. Mais les Océram ont des instruments qui dépassent ses pires idées. Quel gâchis. Derval est un homme brillant. Je me demande ce qu'il aurait pu accomplir si mon père n'avait pas existé. Ça, personne ne le saura, mais bon. Pourquoi vous voulez que je reste à Méridian? Il me semblait que c'était évident. Pas pour moi, non. Eh bien, pour commencer, tu as évité que notre ville soit anéantie. Tu es forte, rusée et très douée. Il serait bien que j'ai quelqu'un comme toi à mes côtés. Ouais, allez. Merci pour cette proposition, mais je ne crois pas que vous ou moi soyons prêts. Du moins, pour l'instant. J'ai encore du chemin à faire avant de trouver ce que je cherche. Et ce chemin m'emmènera loin de Méridian. Bien sûr. Je ne présumais de rien. Tu es indépendante. Tout comme Ersa. S'il te plaît, souviens-toi que tu es toujours la bienvenue. J'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous. Et non un adieu. Mais t'inquiète, Popiette, je repasserai. Il est temps que j'y aille. Bien sûr. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et si besoin, je serai là pour t'aider. Aussi sûr que le soleil brille. Donc voilà. Nous avons fini une des quêtes. Oh, un point de compétence. Et l'XP aussi. Oh, change de niveau. Nous avons quoi par ici? Ah oui, c'est son trône. Plus 10 de santé, ça c'est cool. C'est vrai que la santé a pris un coup. Alors, je crois que... Ouais, 4, voilà, nice. Alors, on va pouvoir doubler nos flèches maintenant. Et après tripler, ça pourrait être rigolo. Ce sera plus utile dès qu'on combattra des machines comme sur le creuset. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. Moi je vais refaire le plein de soins de mon côté. Et faire la chasse aux petites plantes. Et puis, bah, on en est à où sur les quêtes? Indiqué sur la carte. Ok. Carte. Il nous faut aller par là. Est-ce qu'on prendrait pas le temps de faire pas le creuset du haut, mais celui du bas? Xvin niveau 18. Et lui, on n'a pas d'information. Donc, ouais, je pense que pour le prochain épisode, on descendra dans le sud. Et on fera ce creuset-ci.
Puis oui, on a quand même aussi tout ce qui est zone corrompue, la chasse à faire. On a quelques zones à faire aussi. Donc un peu de boulot. Eh oui. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Moi, je vais me préparer pour le prochain épisode. Et je pense qu'on sera rendu, ouais, quand même au creuset, histoire de le faire. Comme ça nous fait 3 creusets sur 4. Et ça va être très bien. Parce que celui-là, je le sens pas tout de suite. Mon nez, et mes souvenirs me disent que ça pue là-haut. Vu tout le people qu'il y a là, dès qu'on voit la dangerosité qu'il y a dans le secteur, ça pue. Donc, je trouve ça moins dangereux avoir des souffleurs et des trackers que d'avoir des charognards, des crabes, pas loin il y a des taureaux, il y a encore des dents de scie, des gros cochons. Il y a de la belle bête, hein. C'est le cas de le dire. Donc on va pas risquer le tout pour le tout. On va jouer au chamboule tout au sud. Allez, salut!